Ces rouges à lèvres contiennent de la poudre de rubis qui est, paraît-il, bonne pour la peau et je veux bien y croire parce que avec ceci, je n'ai pas besoin d'utiliser un baume à lèvres avant, pas même une base pour qu'il tienne mieux et pour qu'il s'applique plus facilement. D'ailleurs, à propos du confort d'application, ils sont top. Pour la tenue, très bien. Donc, confort à l'application, confort au porté, facile à démaquiller. On peut les utiliser sans crayon contour des lèvres. Voilà, très bien, ça ne file pas dans les ridules, ça tient bien. Vous avez la pointe qui est un petit peu plus fine, ça vous permet de dessiner le contour si vous ne voulez pas utiliser de crayon. Ben voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de tester ces rouges à lèvres. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez déjà. Et si vous les achetez un peu plus tard, revenez sur la vidéo. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Ça va m'encourager parce que ces produits-là, je les achète. Et oui, j'ai à peu près 300 abonnés en moyenne. Donc, je ne suis pas remarquée par les marques. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Et oui, parce que ce sont des rouges à lèvres qui s'appellent Nude Kiss et Red Kiss. Donc, bisous et à bientôt.